Salut, salut, bonsoir, bonsoir. C'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la RDC. Aujourd'hui, on va parler de l'arrestation de Kabila Bientou, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et l'arrivée des Américains à Kinshasa. Bandeko, tout ce sur la point au lilo, ils allaient pona kalate, ma kambou vraiment qu'on changer de Kabila à cause la arrêter. Parce que, nandenge ma kambangou ezo kende, nandenge, bariva ba américain baza ko koma na terrain, eza pena mokulu. Alors, bandeko, bozo mwana na photo wana, ezali officier chef et officier ya américain obozo mona wana telemi na président de la république na mupanzi oyo na chole ezali secrétaire d'état adjoint américain ya droit de l'homme. Alors la situation est comme à peine mon boulot parce que l'arrivée des Américains et la rencontre entre Nchole et le secrétaire d'État américain chargé des droits de l'homme et l'arrivée de Bemba qui connaît les secrets de Kabila, ils ont travaillé ensemble. Alors, situation est appena mobulu parce que Bemba arrivé na ye a komisa pe ba sekele mususu. Parce que ya yebi Kabila très très bien. Je sais que ye tan wako ya a kokutana na nouveau gouvernement. Et puis, on to assure ambassade américaine a kouyamba Bemba. Parce que ma communauté est passé dans l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Il y a besoin mon ambassadeur ou un télémissimaya, chef, il y a un militaire, il y a un américain, ou un télémina président de la République, à Zopesa et Kupuana, pour le travail, ou le président de la République, à Zosala, pour éliminer la corruption. Allo Bandeko, situation est à mon goût. Bientôt, Kabila sera arrêté. Donc, ma kambou haute zoloba, et za ma kambou oyo bientôt, vous allez très très sérieux, bande. Alors, secrétaire d'État américain, oyo, pourquoi a qui komona 5 ans, a yeba, ce qui se passe? Na droit de l'homme parce que catholique ba yebi ndenge nini droit de l'homme est qui respecté ti yango secrétaire d'état américain na droit de l'homme akene ko mona yi ba sululi makamba sululi nga na yo tu yebiti mais selon message ou est clair est qui aya ki po ayeba ndenge ni le droit de l'homme ezalaki kotambola na l'era Kabila et ndenge ni droit de l'homme eza respecté pour le moment ba yeba pe ba évaluer alors ba démarche wana nyonso makambo wana nyonso ndenge zo lekeza mobulu bande Bemba okoma bientôt. Ba Amerike bazo yaka kuya. Donc, tu so comprendre te. Terrain pour le moment na Kinshasa. Donc, président Félix aza entouré partout na ba Amerike. Partout. Na Lubumbashi ba sali ba station na ba onyonso ya ba police. Ne ba za présent kuna na Lubumbashi.
partout na RDC ba titi ba bureau na bon pour le moment consulat américain et ça maintenant na na Nord Kiv na Goma. Alors situation de Gesokini tous on mona que oui makambu bientôt ko changer parce que batu bazo mona ka lokola ke auto zoloba non tous on go sérieux bandi ba américain bazoya ibele pourquoi et pourquoi secrétaire d'état américain fa ko akin ko mona senko ko sulula na ba mo si droit de l'homme na l'ère Kabila pourquoi à vous de commenter parce que ko mona senko catholique atuna bango droit de l'homme na l'ère Kabila za la kandenge nini et puis droit de l'homme na lelo ezandenge nini. Donc pour le moment, le gouvernement de Tshisekedi est entouré des Américains. Donc les Américains sont aux alentours de la présidence, donc partout. N'a pas posé partout baza na kati. Alors, le kamwe ko salam. Et puis, ayewana ko sola na catholique, peut-être na makambwe uto le kaya. Ou tous les canacours constitutionnels n'ont ni droit de l'homme et ça bafouille. Alors, Bandeko, à vous de commenter. Au revoir, à la prochaine.